Salutations chers téléspectateurs, à vous le dialogue, bienvenue. Moi c'est Josué Boloa International Mwanamboka. Au Boyebi à Lingaka Bino Mingi P.O.P. Lingaka Mingi. Retour à la petite écran à Bino. Car après un souci à Mboka Boyebi quand un système ya Bendele ya Congo, n'est-ce pas? Nous sommes auto bien en anglais, proudly Congolese, made in Congo, you know. Je suis fièrement fier d'être un Congolais. Voilà, voilà pourquoi nous sommes en atteignant. Donc, match est bête à Manangote. On t'a raté pour l'occasion. Match, on t'a raté pour un souci toujours. Yamboka, Tolo Belandeli, Makambango, Ezokene. Mami, merci, Mingna, la grande dame Francine Gueme de Belgique. Comme d'habitude, banalise analyse politique. Qu'est-ce qui se passe au fait au niveau Yamboka Nabiso? Évolution Yamboka, comment ça se passe? Mais so far, so good. Comme on dit en anglais, il y a quand même des bonnes choses qui se passent au niveau Yamboka Nabiso. Fachi béton. Salutations à son excellence, messieurs, le président de la République de la démocratique du Congo, Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Voilà. Son excellence, salutations à vous ainsi qu'à notre grande dame, la grande dame, première dame de la RDC, Maman Félix, Maman Denise. Voilà, salutations et puis na libota mobimba et puis bah union sur Mboka Bolinga Kabiso ba compatriotes. Voilà, ce qui est vrai c'est qu'attaque est président, c'est déjà un homme public, donc il est toujours soumis aux critiques, aux insultes des fois pour les uns qui servent à gérer ou modérer leurs paroles, leur langue. Mais ce n'est pas quand même aussi poli d'insulter le président de la République parce que c'est vraiment une autorité suprême. Le chef d'état-major, Félix Tshisekedi, il doit quand même du respect, n'est-ce pas? Et en tant que compatriote, vous avez droit avec la liberté d'expression que nous avons dans notre pays parce que lui-même a dit que dans un système, il y a état de droit. Voilà pourquoi nous avons quand même cette audacité, cette fierté de faire des analyses. Voilà, donc tu as plein droit de porter votre critique, que ce soit destructive ou constructive, tant mieux. Mais face à l'autorité morale qui est le président de la République, M. Félix Tshisekedi, mais vous n'avez pas quand même droit aux insultes, n'est-ce pas? Là, nous n'allons pas marcher ensemble, n'est-ce pas? Il est non seulement président de la République, c'est aussi un père de famille. N'est-ce pas, beaucoup compte sur lui. Alors, Zamalam peut toujours insulter comme d'autres personnes le font. Parce qu'on a preuve d'être insulté, président de la République, n'est-ce pas? Alors, pays comme l'Afrique du Sud, le Rwanda, en Boka, donc, critiquer, non, ça a été, président, ça a été, c'est bon, mais au final, marionnette, oh, ainsi, oh, bonaboué, moi, n'intel, non, là, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout, c'est pas de la bonne manière, s'il faut le dire, c'est pas du tout poli, s'il faut dire ainsi. Alors, moi, c'est Joseph Bolan, l'ingato, mais qu'on peut réfléchir, mais j'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin, Nassal analyse à mon côté, je vais plus. Appeler mon confrère, n'est-ce pas, Eric Boukoula, comme vous savez, ça fait un bout de temps sur Solanaïe. Il y a une trois années en ligne pour te mettre un peu sur les déplacements de notre président Belgique, États-Unis. Absence n'est salami moi trop, c'est presque beaucoup de semaines qu'il est en dehors de la RDC. Et son absence dans notre pays a fait aussi quand même à la une. Et salami moi, et tiringa personnellement, pour l'attention. Il fallait. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que le président Azanga, présence nettement, absence nettement, on a na funeral, na state funeral, il y a Robert Mugabe, au Tekotika, biso personnel. Bon, personnel, voilà. Et puis, Toto remarqué sous disparition, et puis enterrement, il y a ancien président français, Jacques Chirac. Bon, alors, state news, state funeral, tout le monde, président Félixité. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a fait que Salamandengwana, mais tout le monde est visible en Belgique, à Yamba qui va diaspora, n'est-ce pas, à Sangisa qui bango, tout ça, à côté d'un président, il y a Rome, il y a Belgique, et puis, dans le Minto Tozoloba, Aza, na États-Unis, toujours pendant qu'on tisse ma relation, Aza, qu'on a photo, les Bosso, Nabiso, Awa. Il y a le président ensemble, monsieur le président Donald Trump, Otobanga, Union. United, European United soutient la vision du président Tshisekedi d'un Congo meilleur à travers notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Nous sommes déterminés, n'est-ce pas, à lutter contre la corruption, à croître les investissements américains et bâtir un avenir meilleur pour nos peuples, pour nos deux peuples. Ça, c'est le Twitter que j'ai reçu de l'ambassade des États-Unis au niveau de Kinshasa. Ils sont très émus de voir
Félix finalement rencontra M. Donald Trump. Qui va dire, États-Unis. Bon, finalement, Bakoutani. Alors, ça, c'est le tweet que j'ai reçu. Au niveau de l'ambassade, il y a États-Unis, il y a Kinshasa. Il y a 13 amis, il y a Komona, qui est RDC. Bazo collaborer na États-Unis bazo luka toujours pendant ko lutter contre corruption et puis ko quatre investissement na niveau ya Congo et pas ya américain et puis ba bâtir un avenir un peu meilleur pour ces deux pays parce que vouloir ou pas l'un comme l'autre a besoin de son soutien. Donc la RDC a besoin du soutien des États-Unis de la même manière aussi les Américains ont aussi besoin du soutien de la RDC bien sûr bandaka ba webikane za la garde ba bikape na biso. Donc c'est un peu ça. Alors j'aimerais plus Kobenga d'aller en ligne avec mon confrère Eric Boukola qui est l'analyste politique ainsi que n'est-ce pas honoraire numéro 1 il y a Jekoko Ozali honorable Jekoko Mulumba. Donc on a Kobenga et bientôt là mais restez branchés connectés. Mais il y a une petite question que moi j'aimerais partager avec lui, poser cette question. Pourquoi l'absence du président Félix na Matanga Mugabe? Pourquoi l'absence du président Félix na Matanga ya Jacques Chirac? Et puis réflexion sur l'ingana tout naïe, hein, pourquoi observation au total les dépenses au bateau bas sali à Jacques Chirac pour l'enterrement naïe, donc mais qu'un peu qu'on compare en gros on a bas dépenses salaman qui il y a le feu de fin Étienne Tshisekedi ils ont un peu trop énorme et puis batongi mausolée pour na le défunt Étienne Tshisekedi mais Jacques Chirac batongi ta mausolée mais batongi est kaka na un cimetière normal. Pourquoi ça? Ce sont un peu de trois questions que j'aimerais partager avec Monsieur Boukoula. Et puis, si vous en avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir nous partager cela et ça sera toujours la bienvenue. Sinon, restez franchi connecté sur Congo Dialogue et abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo Dialogue, la chaîne des bonnes manières. Et puis, coordonnée par la grande dame Francine Bébé de la Belgique. Et moi, Francine, Zaka Tugeda, Congo Dialogue ne tombera jamais. Combattu mais jamais abattu. Nous sommes ensemble. Alors, restez branchés. Après cet événement, je serai en ligne téléphonique en direct de Kinshasa avec mon confrère. Expliquez-nous la mission de nos téléspectateurs parce que ça va tout souvent comprendre pourquoi son Excellence Président Félix s'appelle maintenant Fatih Béton. Sur base de quoi? Non, bon, Fatih, vous savez que c'est un abréviation à Combo, là, Félix Antoine Tshisekedi. Fatih, c'est pour ça que tu as dit que Fatih Béton, ils ont juste surnom, qui s'est lié, c'est-à-dire, tout va soutenir Naïe, va supporter Naïe, vu, un voix, ça là, quoi, vu, politiquement, comment il est allé se battre, et voilà, c'est un peu ça, ils ont. Moi, surnom Oyo, supporter Naïe, militant Naïe, apprécier. C'est pas sur base de le pont Oiseau Tongawana à niveau à Ngaliema, je crois. Hein? Non, saute mouton. Oui, saute mouton, yes. Non, ce n'est pas en fonction à ça. Béton, c'est juste, je pense, en tout cas, béton, il a le sens qu'il résiste aux vents et marées. Voilà. Parce que c'est vrai qu'après son accession au pouvoir, il y a beaucoup de coups bas. Il est la cible des coups bas, que ce soit au sein même de sa coalition, parfois, mais que ce soit, quand je dis au sein de sa coalition, je parle du FCC. Quand je dis FCC, il y a certains là-bas qui, évidemment, Bazo Lingaté et Lelo Fatih, ça a la différence, parce que, évidemment, il faut signifier que pendant les 18 ans au Bango Bazo Lingaté pouvoir, ils avaient la mauvaise foi. Et en même temps, il y a aussi l'opposition, son opposition, qui est la Mouka, qui aussi, évidemment, qui a déjà des ambitions pour 2023 et ne veut pas qu'il aille veut le fragiliser déjà avant 2023. Donc c'est pourquoi on dit Fatih Béton parce que quand on va se démarrer, il résiste. Mais ben, na saute mouton et ça en anglais maté, il y a c'est tout un projet, ils ont partout, hein. Ils ont la niveau il y a le bibio dans la pompage, ils ont comment s'appelle le boulevard Lumumba, il y en a à peu près 4. De la Kingasa Yona, donc il y a d'autres sur le boulevard du Tonjo, donc voilà, c'est ça. Ok. L'actualité, semaine passée, presque deux semaines, nous avons remarqué la disparition. Il y a Robert Mugabe, paix à son âme, l'ancien président à Zimbabwe, et puis il y a quelques jours passés, Chirac, Tomoni Porto Tikabiso. Mais avant cela, comment était
visite à Fatshi à niveau à Belgique. Quelle était votre impression? Parce que quand on a un peu de la résistance, il y a des combattants qui ont, bon, apparemment, il y a des gens qui ont niveau ceux qui ont l'aéroport, dans la salle mort d'attente, c'est quoi, parce que l'un de l'autre qui m'a cassé. C'est quoi, juste? Non, il ne faut pas que les gens défendent l'information. C'est vrai que les gens qui arrivent et qui abîment, il est dit, il fallait attendre, mais ce n'était pas pour la Lumbelum, mais c'était plutôt parce qu'il y avait du monde venu l'accueillir. Il y avait du monde. Le jour où il est arrivé en Belgique, c'est-à-dire un combattant au Missou, c'est-à-dire au Vandegoua, au Baza Contré, d'ailleurs, au Baza qui n'était pas visible. Le jour là, ils avaient, je ne crois pas, ils avaient rien de prévu. Parce que ce jour-là, ils avaient Kaka, ceux qui sont venus les soutenir, c'est-à-dire Pro ou Fatshi, c'est eux qui étaient là. Si vous vous rappelez bien, anti-Fatshi, si on peut les appeler ainsi, qui ont manifesté le lendemain. Ils avaient eu une petite manifestation. À l'occurrence de Boketua Yambo, commandant et son équipe de Mobimba. Boketua Yambo, qui me disait. Avec une dizaine de Batouna Simanaye, c'était un peu ça. Donc, résistance, je ne dirais pas qu'il a connu une résistance parce que ceux qui ont tali nombre de Batouna qui proyaient, c'est-à-dire favorable à l'ANAO, qui contrait, on voit que pour manifester ça qui contrait, c'est un nombre relativement très réduit. En fait, une dizaine de Batouna, pour moi, il image juste quelques personnes. Donc, voilà, sur ce point-là, c'est un peu ça. Il n'y avait pas eu de résistance comme telle. Ah, et d'ailleurs, il a tenu un grand meeting, dans la salle de Monsieur Souneri dans la Botswana. En tout cas, les musiciens vont là-bas, il y avait vraiment des gens qui s'opposaient à lui. On a tenu tout le temps des ordres, des alliés qui étaient à Salini, quand il a tenu son meeting avec des diasporas, plus de 5000 personnes, et il n'y avait pas eu d'incident, donc voilà. Les gens qui critiquent, les gens qui disent que non. Majorité à diaspora Bazakia, ce sont les gens de Kassai. C'est vrai ça? Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un, sur place, il y avait quelqu'un sur place qui pouvait ou qui a un détecteur des tribus ou détecteur des filles? Je pense que c'est un faux débat. C'est même comme certains disaient que les Arabes militaires, il y a eu des pestes. Je pense encore que c'est un faux débat. Parce que il y avait des Congolais de toute tribu, toute tendance. Donc ce sont ces gens-là qui essayent de tribaliser les choses nées Bazo, donc c'était Congolais venus de partout. Donc on ne peut pas dire les noms qui d'emblée c'était les Balou, des Congolais, des nos compatriotes qui sont venus les soutenir. C'est un faux débat. Eric Bokula, dis-nous un peu. On a remarqué l'absence du président Félix na funérailles à Robert Mugabe, et puis tu as remarqué l'absence na funérailles à Jacques Chirac. Et pourtant, ce sont des states, des head of state, la présidente de la République. Si vous avez été pour Nanina Kimi, à Bangui, ou qu'est-ce qui se passe pas? Tu n'as pas représentant na Ezanine en fait. Non, mais vous avez vu. Vous avez vu, deux semaines, que le président Félix a été vraiment, vraiment pris. Il a fait presque deux semaines, il va dans Boka. Donc c'est sûrement dû à son emploi du temps. Mais comme vous l'avez dit, il a envoyé des représentants. Et on l'a vu aussi aux obsèques. Il y a Étienne Tshisekedi, Yemoko Mugabe, par exemple, personnellement, il a quitté. Mais le Zimbabwe, Mnangagwa, Tindaki, moi, quelques représentants, vous voyez, ça arrive. Le président, à cause de duplicité, à cause de la deux places en même temps. Donc, quand on place encore l'urgence, parce qu'il faut comprendre que l'urgence pour lui, aussi, la priorité pour lui, c'est d'abord servir la nation. C'est vrai, il faut le rendre hommage à un grand homme, un panafricaniste. Mais il y a aussi ce qu'on dit, le devoir à l'appel. Il fallait qu'il aille représenter le pays aux Nations Unies, à ses présentations à l'Assemblée des Nations Unies, et il a fallu que atteigne la Belgique. Donc voilà, c'est juste une question d'un peu du temps, je pense. Et d'ailleurs, je crois dans les programmes du président, dans les jours à venir, il passera en France sur moi, je ne sais pas, mais j'estime qu'il pourra peut-être faire un tour. On a place Makouni, Jacques Chirac, sûrement pour rendre hommage. Mais il semblerait que, moi personnellement, je n'ai pas vu ça. Mais les gens ont dit qu'ils ont remarqué la présence du
Former president, l'ancien président Joseph Kabila, c'est vrai ça? Au Zimbabwe, oui, il était là. Au Zimbabwe, il était là, mais en France, je ne pense pas. C'est ce, c'est oui, en, au Zimbabwe, bien sûr, c'est ce qui a créé un peu, moi, imbroglio na mitu ya ba Congolais. Pourquoi bon, qu'est-ce qui fait que l'ancien président Kabila est allé là-bas et puis Félix n'est pas là, tout ça, tout ça. Il faut pas dramatiser tout. Monsieur Kabila, d'abord, c'est un citoyen congolais qui a ce droit-là d'aller où il veut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Monsieur Kabila est un homme d'État. C'est un ancien homme. Un homme d'État jusque-là. C'est-à-dire que il a eu, vous avez vu même des photos, il a eu à rencontrer Chirac à maintes reprises. Il a montré où il y a déjà. Bah, il y a tout comme avec, bien que Malien ait avec Mugabe, il a qui fort, je sais pas. Makassi, donc. C'est-à-dire qu'il a ce droit-là, comme tout citoyen congolais, pour nous aider à mourir à côté de nous. Ça, c'est la première des choses. Comme citoyen congolais, il a ce droit-là. Mais aussi, comme homme d'État, il a peut-être ses devoirs-là. Un monsieur comme Mugabe, vous savez les liens qu'il y avait entre Mugabe et Kabila le père et Kabila le fils. Donc ce n'est que normal à Tindekuna, en tant qu'ancien président de la RDC, en tant que Congolais, en tant qu'Africain. La même chose, de toute façon, il y a force, quoi que je répète, à Kété, mais il a ce droit-là d'y aller, d'aller visiter. D'aller rendre hommage à quelqu'un qui l'a connu. Il faut le dire. Bah, Yébanaka, d'abord, l'attaque est Batouboué, et ils avaient rempli les mêmes fonctions à l'époque. Donc, ouais, il a le droit, M. Kabila, à ce droit-là. Ce n'est pas dit que ce soit la Kékoula qui est représenté chef de l'État. Non, à moins que chef de l'État assigne, parce que le chef de l'État peut le faire. Oui, le chef de l'État peut le faire. Félix Akolo, bon, place aux gens là où été, je demande à M. Kabila d'y aller. Et si Kabila accepte, parce qu'il a une fonction officielle, si Kabila accepte, il peut le faire. Donc c'est ça, il ne faut pas dramatiser du genre, voilà, il est à Kékoun. Non, 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 non. Alors l'histoire de l'avion là, non, le président se promène presque plus de 2 semaines en dehors de la RDC avec l'avion rwandais. L'avion rwandais, c'est quoi en fait? Azangi président, c'est l'avion Azaki Bizilisus comme d'habitude. Donc il faut qu'on soit là avion en Rwanda ou comment? Ça c'est quoi l'histoire de l'avion là? D'abord, c'est encore des fake news. C'est encore des fake news. Mais aussi, signalons, le président de la République, il a plus d'une fois, il a pris des vols commerciaux. Voilà. Les gens veulent une chose de son côté. Les gens se sont plaints ici que voilà, le voyage, mais ça coûte au trésor de l'État. Mais s'il prend un vol commercial pour minimiser les coûts, où est le moral? Kinabango les a bien dit, alors parfois pour raison de sécurité, on prend des avions qui sont plus sécurisés. Voilà, c'est un peu ça. Ah donc c'est pas du tout que un président Azo continue toujours côté Kamboka, il continue toujours à collaborer avec les Rwandais, comme preuve, Azo Tamo dans la vie à Rwandais, Kagame Tazo financier. On doit apprendre à grandir politiquement. Nous voulons de ligner Mogalabis, mais toujours comprendre Makamoussou vraiment, vraiment des. Collaborer avec les Rwandais, c'est-à-dire quoi? Nous sommes dans un monde des commis villages planétaires. Les lots, on soit très mal que le Congo, si on a aujourd'hui des problèmes à niveau à la frontière d'Abissou avec, c'est tout justement à cause de l'ennemité on a entre Bissou, Nabango, la Rwanda, et ce sont les groupes armés et tout ça qui en profitent. Alors, s'il faut collaborer avec une vision d'améliorer la situation sécuritaire à la frontière, où est le mal? On ne peut pas garder les Rwandais comme des ennemis pour toujours. On est obligé de vivre avec eux. On est obligé de vivre avec eux. Alors, nous avons deux choix. Soit Toulingi, rivalité Wana, éthique là, et avec risque, ils ont profité de la groupe armée qui vont continuer à piller le pays. Soit on crée une relation de bon voisinage avec le Rwanda et on peut conjointement mettre en place des unités qui vont combattre ces groupes armés. Alors, collaborer, c'est-à-dire quoi? C'est vrai, Bissoba Congolais, nous avons toujours la passe Wana. Il y a ce qui s'est passé lors de la première et deuxième guerre d'Afrique, guerre mondiale d'Afrique, avec tout ce que les Rwandais ont fait, l'armée rwandaise a fait. Mais n'empêche, on ne peut pas garder les lots, France, l'Allemagne, ils sont parmi les pays
avec les plus bonnes relations diplomatiques, les lots. Mmh. Mais vous savez ce que l'Allemagne a fait. L'Allemagne a envahi la France, a boumi par français. Mmh. Ah, donc, vous voyez, parfois évoluer. Ils sont parfois évolués. Ouais, donc, il faut comprendre le quoi là. Il faut comprendre le quoi là. C'est vrai, hein, pour le quota, mais bon, ça profite à quoi? Ça profite à qui? Donc, c'est un peu ça. Ah, mais tu sais quand même que Eric Boukoula, on a aussi un téléspectateur, on a un direct à Kinshasa. Awa. C'est pas du jour au lendemain que les douleurs en question peuvent être ôtées dans le cœur de Congolais. Sachant quand même qu'avec tout cela, bah, Vitim Bazali, bah, Rossi Mukendi, Bakenda, oui, bah, quand même, bah, Euro, oui, bah, Bunda, Paul Lelo, peut-être que l'état des droits bah, s'est construit petit à petit. C'est pas du jour au lendemain. Je ne sais pas, tant qu'analyste politique, en tant que Congolais aussi, qu'est-ce que tu peux donner quand même comme un message à les Congolais oh, jusque-là. Bon, ils n'ont pas assez le temps à Kokota deep pour ton profondeur et information. Si tu n'as pas réseaux sociaux, n'y a pas panza, tout ça. Donc, Monica, ah, président, c'est la vieux Rwandais. C'est que, quelqu'un même a télécopilé un peu le baquet. Fachaza Béton, ingénieur Ezali Kabila, et puis maçon Kabila, et puis ingénieur de Mugabe. Plutôt Kagame. Donc, je ne sais pas, un message, juste pour conscientiser un peu la population congolaise. Bon, dire que c'est vrai, pas si on a mis au lobby, pas si on a mis au lobby, pas si on a mis au bisou. Bisou, peut-être, on a pas si on a que le Salema avec le Rwandais, c'est que le Rwandais, l'armée, il faut préciser. Parce que même le Hitler, la Balossa, ce n'est pas toute la population allemande qui était d'accord avec. Il faut toujours distancer. Il y a des choses que le régime en place fait, on ne doit pas indexer toute la population. Ouais. Il y a bien sûr Trump, ça là, ce ne sont pas les Américains qui sont d'accord avec, tous les Américains. Ouais. Donc c'est un peu ça. Alors c'est le régime Kagame nous a fait beaucoup de mal, ça se voyait bien haut. Mais si nous voulons, et d'ailleurs, il y a aussi avec le temps, nous avons les lots, même ce qui s'est passé avec la France au génocide de Rwanda et tout ça, les lots, France, c'est aussi un pardon, France, c'est aussi ouais. Et nous aussi, c'est vrai, avec le temps, nous exigerons ça. Nous exigerons des réparations, nous exigerons ceci et cela. Mais en notre temps, on continue, il y a pour Kibou Enemi, Wana, Bissona, Rwanda. Ils ont profité d'un groupe armé parce qu'il faut le dire que le manque de coopération entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, mais ils ont permis le climat et la sécurité et permettre que les groupes armés se multiplient et vivent. Alors nous avons simple avec qui vouloir ou pas tout lingato lingati, il faut tout vivre là-bas. Nous avons 9 mitrophes. On n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas de choix. Donc, pour le bien du Congo, pour le bien de la Est, pour le bien. Il y a Moka, et vous savez, quelque part, qu'il y ait une certaine coopération, gagnant-gagnant, c'est vrai, entre Bissau et Rwanda. Donc, les Congolais doivent voir ça de cette manière-là. C'est vrai, pas si ça, mais on n'a pas beaucoup de choix. Avec le temps, tout le monde va réparer. Donc, c'est ça le message que moi je peux donner. Et là, on a la consigne là-bas, Congolais. Alors, nous sommes dans les autres, tout le monde a raté pour Moni Kim Jong-un, c'est-à-dire président de la Corée du Nord. Nous, on a la trappe, on va passer une bambou. Les amis, pourtant ce sont des arcs ennemis qui balouba. Donc c'est un peu ça. Alors les gens vont devoir essayer un peu de mettre un peu d'eau dans le vin pour le bien de la nation, pour le bien du peuple congolais. Eric Boukoula, je vais te laisser avec cette réflexion. Je ne sais pas qui a pu penser à cela. Ils ont déposé ça dans les réseaux sociaux. Ils disent quand même que dépenses des eaux salamas trop. Tous au moins à 15 millions disparus. 350 millions de 350 000 dollars au Lissambo, je ne sais pas si c'est vrai aussi, que bah, quand il fallait à la virame, à mis dans une bombe, tout ça, et puis histoire, ils ont les réseaux sociaux. Et puis, donc, il y a trop de dépenses. Et nous avons maintenant la gratuité à enseignement. Alors, pendant le temps, le gouvernement, ils ont continué toujours comme ça, la dépense. Quelqu'un a dit ceci, enterrement à Jacques Chirac, écoutez moins. Et pourtant, c'était un ancien président. Par contre, enterrement, il y a Étienne Tshisekedi, le défunt Étienne Tshisekedi, ça coûtait plus de milliers de dollars rébellés à Epinaba Mausolée, tout ça. Au moins, quelque part, ils ont quand même laissé au RDC, c'est un gouvernement, ils ont en place qui va minimiser un peu la dépense. Tu vois, Chirac, Bakundi, dans un cimetière normal, c'est le Mausolée, mais il a quand même impacté, il a écrit des livres. Par contre, le défunt Étienne Tshisekedi, bon. Il n'a pas été l'ancien président, mais bah, dépense ça l'a mis trois mausolées. Ne voyez-vous pas que quelque part, en tant que Congolais et puis compatriotes, les gouvernements actuels doivent quand même revoir
par dépenses moussous ou inutiles pour ne pas aussi vider le caisse de l'État. Bon, écoutez, il y a un problème aussi, aussi sur les réseaux sociaux, le coûtage est au moins élevé. Il y a 15 millions. Les lots au moins, tu commis au niveau où il y a un bon niveau. Mais on vous demande la question. À l'époque du régime Kabila, combien de fois il y a un bon niveau où il y a un faut déjà là. C'était le chef de l'État parce qu'il faut voir que l'enquête a été initiée par le chef de l'État, Yemoko. Donc, quelque part, l'État des droits, malembe, les lots comme que l'angle de la présidence, ils ont sujet à enquête. Chose que tu dis là, comme on a calé. Donc, c'est déjà l'État des droits, pas dans le sens ouana. Et c'est tout justement parce qu'on essaie de limiter le coulage des recettes ouana, c'est-à-dire qu'on limite le détournement, la corruption et tout ça, qu'on est. À ce niveau, tout comme il y a 15 millions et tout ça. Alors, quand je parlais de Lukuta, oh, il est solé à 350 000, c'est créé complètement sur les réseaux sociaux. Ok. Ouais. Il est créé sur les réseaux sociaux parce que d'ailleurs, la femme a été interviewée. Il y a, je crois, un de vos confrères, un agent de la femme, Moana Obalwaki, à Kimina, 350 000 dollars, il y a Amida. Mm-hmm. Et la femme elle est en Angleterre, au Royaume-Uni, je crois, à quelles vacances, je crois. C'est son mari qui a même intervenu pour dire qu'ils ont le coup sur les réseaux sociaux. A dit qu'ils ont dit qu'ils ont mis des têtes et puis ils ont mis dans mon cas quoi, aux élans. Donc, ça, ce sont des mensonges totalement. Alors, ma dépense, au président peut-être, a effectué pour une comparaison aux amis, ils ont mis à Mandela. C'est qu'il y a Mandela, ça a coûté combien? Observe qu'il y a Mandela, ça a coûté combien? Si la France a estimé que bon, Jacques Chirac, c'est un ancien président, c'est vrai, mais il n'a pas. Il faut voir aussi la différence. Jacques Chirac n'est pas parmi Bunda pour la libération et la France. Tu vois. Je ne pense pas que Jacques Chirac, façon Bakundi, les animaux, façon Bakundi qui est général de Gaulle. Au moins, il y a cette différence. Docteur Etienne Tshisekedi, c'est à Bundi pour l'état de droit de la même façon, Mandé la façon Bakundi qui est là. Donc, il y a quand même cette nuance là. Alors, il ne faut pas que Batouba, Monagara, que Jacques, c'est vrai, avec les temps, Bissopé, on ne dit pas que le président n'y a pas le coup, il ne faut pas le coup, comme Etienne Tshisekedi. Non. Etienne Tshisekedi, c'est différent. C'est un héros de la. Ouais, il y a moins de nuance, voilà. C'est un Mandé, c'est pas que Mandé là. C'est notre Mandela. Voilà, c'est le Mandela de la RDC. Alors, les dépenses peut-être liées à voyage à président. Mais c'est bizarre que Bande Komissou soit tout à la d'un côté. Parce que Bozoum l'a mis aux obliments. Mais Bozoum l'a mis retour là-haut. Ouais, l'argent amène l'argent, comme dit pour avoir l'argent, il faut dépenser. Par voyage à président, on a dit qu'on n'a pas retombé, autant qu'on sentir déjà. Il y a le retour de la coopération commercial entre RDC et la Belgique. Il y a le FMI qui s'est prononcé, qui a dit que la Banque mondiale aussi qui s'est prononcée, qui a dit qu'à investir 1 milliard de dollars de plus dans la RDC, il y a le FMI, il y a. Que le voyage du président Scoutes va t'aller côté Wana. Est-ce que Batali Angle One de vraiment être un peu borné, c'est un peu c'est borné que de voir. Il faut, vu la situation diplomatique et économique, il faut voyage. Voilà, ils ont nécessité. Le président a besoin de redorer l'image à RDC. Et une autre question qui est là, surtout la en quoi absence du président a ils ont affecté bon fonctionnement Yambo. C'est ça. Les gens essayent de créer des critiques. Là, il n'y a pas à critiquer. Ces voyages du président sont importants pour la RDC. Retomber dans haut, ils ont raté. Vous présentez à Comica sur place, maman, bien dans mon on a beaucoup sentir, mais non, retomber à un voyage là. Non, c'est petit à petit. Ce n'est pas partout où ils vendent des matériaux sur la zone d'Ima. Tu vois, il peut aller côté Yo, même sur 10 investisseurs à celui-là, maman, peut-être 3 années, c'est pélé. Et il va de l'autre côté. À celui là, 10 moussous, peut-être 2 années, c'est comme ça. C'est comme ça, donc voilà, il faut voir aussi les retombées. Voilà. Les retombées à ma voyage. Et moi, je suis certain que dans les mois à venir, on pourra finalement se rendre compte des retombées. Donc, ça sera palpable au niveau de la RDC. Vraiment, Eric Boukoula, très ravi de votre temps. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Et sagesse aux Anangona, argument toujours politique, diplomatique aux Anangona toujours. Peut-être une salutation et puis votre mot de la fin.
Non, merci pour la yo, merci une fois de plus pour la permettre dans les quarantaines. C'est juste que vous demandez aux Congolais de soutenir le régime actuel. Tout ce que nous avons demandé au Kota Papier, tout ça, mais là pour la Mboka, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Un président qui est congolais, un président nationaliste, un président qui a le social du peuple à cœur. Alors soutenons-le. Soutenons-le parce que ce maître Anna a souhaité qu'il puisse échouer. Bah, s'il échoue, il a 5 ans de sous-sous, il y a vie à Congolais qui est la maille. Alors on a tout intérêt à vouloir sa réussite. Parce que sa réussite va signer émergence, maman, il y a RDC. Donc soutenons le chef de l'État, quelle que soit notre tendance politique. Mais ah, il y a des Kambouya, il y a Congo. Et matin, par contre, on va se réviser. Gratuité de l'enseignement, c'est vrai, au début, ils n'ont pas si mais ils ont comme Oyo, il faut tout soutenir en haut. Et avec le temps, et aussi, ma Vanda, c'est pour l'intérêt de. Même les enseignants, on a eu besoin de grever les lots. Même les bateaux là, on a eu besoin de les là. Et on a eu besoin de contre la gratuité. Alors, si c'est pas bon, on va profiter car on a gratuité. Donc, c'est un peu ça mon message. Ok. Voilà. Grand merci à vous. On se retrouve à la fois prochaine. Voilà, c'était Eric Boukoula, un collègue, confrère journaliste et puis analyste politique. Il est toujours reçu dans les différentes chaînes de la télévision au niveau de la RDC. Et je suis fier de toi, mon frère, pour le grand travail que tu es en train de faire et pour toujours remonter le bon sens de notre politique au niveau de la RDC. Nous serons là, nous allons toujours venir et nous viendrons et nous allons venir, nous venons, disons cela, pour apporter quand même plus d'éléments médiatiques dans notre pays RDC. Parce que, du moins, le gouvernement actuel a besoin d'une pierre de contribution de chacun de nous dans les différents domaines où tu es fort sûr et tu veux que ça puisse avancer. Parce qu'on a toujours tendance à parler, et on fait des fois des politiques à chaise vide, et tu es là dans ton coin en train de critiquer marionnettes, et Bonaboye, Okokoufa, Okolongwa, Yopenza, Oyibimbongo, tout ça. Et curieusement, je ne savais même pas qu'il y a affaire de $300,000 là, et c'est des fake news. Les gens créé Nabongara juste pour terroriser et les pouvoirs. Ce qui est drôle, c'est que nous n'avons pas encore le cœur de la nation comme les Sud-Africains. C'est trop rare de voir, d'écouter un Sud-Africain dehors de son pays parler du mal du gouvernement actuel. Vous comprenez, non, président. Mais si toi, étranger, tu oses dire ni mal de leur président, bah, t'es les milieux. Mais bon, moi, bah, l'Obama, bien, beau, canaba, on va bien, ça les a été tout ça. Mais il y a étranger qu'on l'a batté. Donc, par contre, nous...